Je m'appelle Pampan et je fais de la peinture. Bah écoute, je fais ça parce que ce que j'aime, c'est amener de la couleur sur les murs de la ville. Le mur me donne un espace de liberté, de grande dimension. Et en plus, il est vu par plein de personnes. Ça permet d'interpeller les gens. Donc après, certains disent street art, effectivement. Mais ouais, c'est de la peinture dans la rue pour donner de la joie aux gens. Indépendamment des codes, des galeries, des codes des critiques d'art, des codes du marché de l'art, le street art, c'est un espace de liberté pour tout le monde, pour les artistes et pour le public qui peut regarder, réagir, interpeller l'artiste. Voilà, c'est vraiment un espace de liberté. Ah, une rencontre, ça c'est la première chose. Une rencontre et puis ouais, les gens, les copains qui m'ont dit tiens, viens voir, il y a des murs. Et ça a été le déclic, je me suis dit tiens, mais moi aussi je pourrais décorer la ville, amener de la couleur, faire des murs. Bon, sinon c'est des rencontres avec d'autres artistes. Par exemple, aujourd'hui j'ai rencontré une fée, Fais ta vie. Et ça, c'est des choses que sans street art, j'aurais peut-être jamais fait. Vivre son rêve, c'est profiter de chaque instant de la vie en faisant ce qu'on a envie de faire. Ne pas perdre un instant, y aller à fond. Pour moi, c'est faire des fleurs. Le conseil, c'est d'être ambitieux, de vouloir aller loin, de ne pas hésiter à voir grand et de ne pas rester dans son petit monde, mais essayer de s'ouvrir aux autres en allant le plus loin possible. En une phrase, allez-y, collez, faites-vous plaisir, mettez de la couleur, et partagez, discutez entre vous.